pas fini aucune consultation avec les major stakeholders, je précise bien, que ce soit EPSI, que ce soit PSTSU, que ce soit même les collèges d'État, après venir poser une réforme dans la population. Comment nous prévoir une faille PISAC, première faille qui nous trouvait 75 à 100, qui cause beaucoup de problèmes à les parents, les étudiants. Nous pouvons retrouver aujourd'hui avec beaucoup d'enfants qui ont 75 à 100 qui ont unité N, mais qui pas nécessairement peuvent gagner un collège qui ont demandé. Donc, admission de grade 7 pas peut faire de bonne situation normale. Beaucoup d'enfants peuvent protester, beaucoup de parents peuvent protester. C'est un sentiment de frustration, un sentiment de colère parmi la population. Beaucoup d'enfants finissent un bonne collège qui ne pas mettre les autres formes. Donc, à quoi ça sert faire un parent remplir une forme, quand par la suite, ils ont une autre bonne collège qui ne pas mettre. Nous constatons aussi qu'il finit une diminution. Admission de grade 7 de mon collège secondaire privé, parce que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, puis encourage mon collège d'État pour un maximum d'enfants, pas seulement collège d'État, mon high profile school, mon malheureux, comme en Sainte-Mérisse, comme en Saint-Esprit. Donc, nous n'avons aucun problème avec cette diminution-là, mais nous pouvons dire qu'il ne faut pas remettre en cause nous l'accord des 1000, qui dit qu'il garantit la sécurité d'emploi dans n'importe quel cas de figure. Donc, nous pouvons veiller à ce qu'aucun de nos membres n'a pas vu une excès, n'a pas perdu place de travail. Nous constatons que depuis 2014, la ministre de l'Éducation ferme la porte, ferme l'impôt avec EPSI. Et pour nous, il n'y a pas aucun problème, nous pouvons continuer le travail. Mais si la ministre de l'Éducation choisit une confrontation avec le syndicat, nous parions pour une confrontation. Nous parions, nous l'équipe, Lila, nous parions. Et nous avons quatre anciens ministres de l'Éducation qui ont dit, mon habitude de dire dans le langage créole, le Dakar ou Cannes, nous avons fait attention. Fais attention, on n'a pas besoin de jouer avec EPSI. Et pourtant, ça, quatre ministres d'éducation, c'est Manteno. Bon, mieux, on n'a pas sans ban noir qui règle beaucoup de problèmes. On a Steve Obigado, qui est un fin politicien, un fin ministre d'éducation. Daram Gokul, cadre spilé, quatre du monde avec qui nous travaillons, qui aujourd'hui nous retrouvent. Je ne pas même d'un département, je ne pas même d'un grand parti politique. Nous commençons une campagne banderole, et nous pouvons commencer une campagne lafiste à partir maintenant. À côté, nous pouvons dire, madame, là, si plus devant, nous pouvons un problème. Avec admission de l'OBSX, nous avons un problème. Avec résultat, forme 3, national examination, pas de problème. Il est préférable qu'il nous arrête la même. Arrête tout, revoit tout, si besoin sans ministère, et il y a un monde capable de gouvernement qui est capable de faire l'éducation.